Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les 3 erreurs les plus courantes du jeune nageur en crawl qu'il va falloir impérativement éviter si vous voulez progresser. Donc, je vous dis à tout de suite pour voir le reste. Une des erreurs la plus courante chez le jeune nageur est le manque de tonicité. On voit souvent des personnes qui vont nager en étant un peu mou, d'accord, comme on peut le visualiser là sur la vidéo, en ayant des appuis qui fuient et des articulations qui sont pas fixes, d'accord. Il va falloir vraiment fixer vos articulations, donc le poignet, le coude, pour pouvoir prendre de l'eau en étant le plus tonique possible. C'est une des premières clés de la réussite. Voilà l'erreur numéro 1. Alors celle qui va vous faire perdre le plus d'énergie et le plus de temps, c'est la respiration vers l'avant. Le fait de remonter en fait la tête vers l'avant va incliner votre corps vers le bas et ainsi vous allez nager droit, debout et créer des résistances à avancement. Donc pensez à bien respirer sur le côté. Et enfin, pour terminer, l'erreur numéro 3 est un mauvais mouvement de jambes. Souvent, on voit les gens qui ramènent les jambes vers les fesses, d'accord, avec une cheville complètement tendue. Pour un bon mouvement de jambes, il faut maintenir la jambe droite tendue et les chevilles les plus relâchées possibles, d'accord ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poster des questions dans les commentaires, que vous soyez sur Facebook, sur YouTube. Rendez-vous sur le site pour télécharger « Apprendre le crawl facilement en 4 étapes » et « Nager longtemps sans se fatiguer ». Un livre gratuit que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessus. Allez, à très bientôt.